Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Les épisodes 6 de chaque série mensuelle sont tous consacrés à mon principal contact extraterrestre Zen, son travail dans l'espace en tant que pilote d'un vaisseau chasseur aux technologies ultra avancées, son quotidien, sa vie sur une autre planète, la relation et l'attitude qu'il avait avec moi, et nos conversations à la fois écrites et en audio que j'ai enregistrées et que je partage dorénavant avec vous. Comme vous le savez sans doute, début 2016, j'ai commencé à avoir des communications écrites avec un membre de l'une des 13 lignées royales qui m'a mise au courant de la situation terrestre et de ce qui se passait en coulisses, ce dont je n'avais aucune idée jusqu'à ce qu'il m'en parle. Cet homme de 50 ans, spirituel et inspirant, était en contact avec un groupe d'extraterrestres dont il m'a très peu parlé, mais a posteriori, je pense qu'il s'agissait des Andromédiens. Ces derniers lui avaient demandé de lire mon livre « Technique de méditation du moine de forêt » que je présente actuellement sous forme de cours. Les Andromédiens lui avaient demandé de me contacter pour me poser des questions sur l'illumination et discuter avec moi de sa pratique. Il lui avait aussi demandé de me mettre au courant de ce qui se passe sur Terre et je le guidais en méditation et lui sur la situation terrestre. D'autres événements importants se sont ensuite produits dont je parlerai dans des présentations que je ferai un peu plus tard. Donc, dans ces premiers mois de l'année 2016, j'avais mis en place un gros projet appelé Involution, constitué de 200 personnes que j'avais triées sur le volet. Notre objectif était de travailler sur les principaux aspects de la société terrestre qui doivent être changés. Alors que ce projet était en cours, trois femmes y sont arrivées sans crier gare. Elles se sont présentées comme extraterrestres originaire de plusieurs planètes dans l'amas des Pléiades. Il s'agissait de l'amiral Rachel, de la planète Temer, qui était le mentor de deux jeunes filles de 20 ans, Aneka de la même planète et Svarupa Priyananda de la planète Hera, deux des quatre planètes plus une naine autour du soleil Tejet. Alors que je discutais en privé avec ce groupe de femmes, j'ai commencé à percevoir clairement que quelqu'un m'envoyait des appels télépathiques, comme si cette personne que je percevais comme un homme essayait d'entrer en contact avec moi. Le 16 septembre 2016 est arrivé dans ma boîte mail un courriel en provenance d'un homme qui se disait lui aussi au courant de mon projet Involution. Il avait signé son courrier « Zen ». Vu la teneur des lettres qu'il m'adressait, ainsi que le contenu de mes échanges avec ces trois femmes, j'ai commencé à enregistrer tout ce qui provenait de lui et des trois autres femmes, et voici ce qu'il disait dans ce tout premier courrier. « La voix que vous allez entendre n'est pas celle de Zen, mais la mienne que j'ai rendue masculine avec un logiciel de son, mais sa voix est assez similaire. Bonjour, je suis Zen. Je suis au courant de votre projet Involution. Je sais que c'est extrêmement important. Je sais aussi que vos amies très spéciales sont parties, mais elles reviendront. Ces jeunes filles sont jeunes, intelligentes, belles et même sages, mais elles sont aussi impatientes, inexpérimentées et elles font trop de bruit sur les réseaux sociaux. Je peux vous apporter de nombreuses réponses,
ce serait un honneur de vous aider. » Je lui ai répondu, « Mais je partagerai ce document plus tard parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. » Il me répondit en retour un long mail de 2 pages qui commence par ceci. « Bonjour, merci de m'avoir répondu. Je suis content que vous ayez aimé la lumière blanche sur le fond bleu. Je savais que vous seul pouviez interpréter ce que cela signifie. » Il fait ici référence à la lumière bleue que j'ai perçue en phase finale du processus de l'illumination. Mais comme je n'en avais parlé à personne, je me demandais alors comment il pouvait être au courant, si ce n'est qu'il avait pu lire mes pensées ou mon processus mental lorsque ceci m'est arrivé il y a maintenant 40 ans, ou alors qu'il y avait eu un enregistrement, seconde après seconde, de ce qui s'était produit et qui était enregistré dans les bases de données extraterrestres auxquelles il avait pu avoir accès. Oui, je vous ai appelé d'ici par télépathie. Je vous remercie d'avoir été réceptive. Les 3 filles ont convoqué le Grand Conseil Andromédien et ont expliqué à tout le monde les détails de votre projet Involution. À notre connaissance, vous tentez quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant et qui pourrait très bien être le fondement même d'une nouvelle société terrestre positivement orientée. Les filles sont particulièrement impressionnées par la façon dont vous les avez ouvertement acceptées. Elles sont impressionnées par votre capacité à accepter de nouvelles données, même si au premier abord cela peut sembler hautement illogique ou de nature discutable. Vous ne les avez pas jugées avant d'entendre ce qu'elles avaient à offrir. Puis nos contacts de personne à personne ont évolué et au lieu d'échanger des emails d'un jour sur l'autre, il a reçu l'autorisation de s'entretenir avec moi en direct et nous avons eu nos premières conversations par écrit, mais en direct, et quelques mois plus tard, nos conversations en audio. J'entendais sa voix et lui la mienne, comme 2 amis au téléphone. Et c'est au cours de l'une de ces conversations orales où nous discutions de l'illumination que je lui posais le célèbre koan du moine Akuin Ekaku. Akuin Ekaku, qui vécut au XVIIIe siècle, fut l'une des figures les plus influentes du bouddhisme zen japonais. Enfant, il avait entendu le discours d'un moine sur le sujet de l'enfer et il développa une peur panique. Il chercha ensuite un moyen de l'éviter à tout prix et parvint à la conclusion qu'il devait devenir moine, ce qu'il fit. À l'âge de 41 ans, il eut une révélation finale qui marqua un tournant dans sa vie. Ayant finalement connu l'illumination complète, il dédia le reste de sa vie à aider ses semblables à atteindre l'éveil et il passa les 40 années suivantes jusqu'à sa mort à 83 ans à enseigner. Sa renommée se propagea rapidement et des étudiants vinrent par centaines de toutes les régions du pays pour étudier sous sa conduite. Il transforma l'école au sein de laquelle il enseignait, alors une tradition sur le déclin sans pratique rigoureuse, en une tradition centrée sur une méditation consciente et volontaire et la pratique des koans. Un koan est une brève anecdote ou un court échange entre un professeur de méditation et un élève. Il se présente comme un paradoxe, voire une contradiction impossible à résoudre dans un raisonnement de manière intellectuelle.
Le méditant doit délaisser sa compréhension habituelle des phénomènes pour se laisser pénétrer par une autre forme de connaissance plus intuitive. C'est un objet de méditation ou de contemplation qui déclenche une réalisation et l'éveil ou l'illumination lorsqu'il est résolu par le méditant. En voici un exemple. Imaginez un homme sur un arbre. Il est accroché par les dents à une branche. Ses mains ne peuvent saisir la branche et ses pieds n'atteignent pas le tronc de l'arbre. Sous l'arbre, quelqu'un lui demande « Pourquoi Bodhidharma est-il venu de l'ouest ?» Si l'homme ne répond pas du tout, il fait défaut au questionneur. Mais s'il répond, il tombe et se tue. Dans une telle situation, que doit-on faire? Et celui-ci est le très célèbre koan Dakuin Ekaku. Je l'ai posé à Zen. Il me donna des explications, mais il ne trouva jamais la réponse et demeura finalement sans voix. Quelle est la réponse que vous donneriez à cette question? Deux mains applaudissent et il y a un bruit. Quel est le son d'une main qui claque? Je vous retrouve très bientôt avec le calendrier du mois d'octobre 2022. Et la prochaine série, dont la thématique centrale sera les enfants et leurs parents extraterrestres. Mais la toute première vidéo en accès libre sera consacrée aux enfants terriens. En attendant, portez-vous bien, méditez et soyez heureux. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.